Bienvenue à tous les passionnés de construction et de parcs d'attractions. On commence par une petite visite au cœur du volcan, à l'endroit où nos aigles préhistoriques prennent leur envol. Un endroit assez sombre, uniquement éclairé par quelques lumières rouges et du feu qui fait tout le tour de l'attraction. Tout ça nous donne une bonne impression de chaleur. Vous voyez que j'ai fermé l'ouverture au fond, ça correspondait pas trop. J'ai fait une petite maison pour le personnel. La sortie est ici. Et on va regarder ce que ça donne de jour. Toujours beaucoup de rochers, de cailloux. Mais bon, à l'intérieur d'un volcan, c'est plutôt logique. Une petite porte ici pour accéder à la petite maison du personnel. Et là-haut, nos aigles qui volent dans le ciel. Ça n'a pas été de tout repos de construire à l'intérieur de ce volcan, mais le résultat est plutôt bon, je trouve. Peut-être qu'on pourrait rajouter encore un peu de fumée et des petites coulées de lave, mais pour l'instant, on laisse comme ça. On se dirige vers la sortie, qui est donc par ici, et on accède directement au magasin de souvenirs, où on pourra croiser des gens qui sortent de Extinction. Bon, pour l'instant, pas trop de commentaires sur le dernier épisode. On va donc directement faire de la construction. On va s'attaquer à l'entrée de Argentavis, juste ici. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le dernier épisode, j'ai un petit peu changé ma manière de faire les accélérés. Les images sont moins rapides et il y a plus de coupures. Il me semble que c'est un petit peu plus agréable à regarder. Allez, c'est parti! Audio.
Et voilà pour l'entrée avec ce panneau Argentavis avec cet aigle préhistorique, toute aile déployée, et ce nid que j'ai trouvé sur le workshop qui trouve plutôt bien sa place là. À la fin de l'accéléré, j'ai construit ce petit bâtiment qui n'était pas prévu, mais c'était pour casser un petit peu cette ligne droite ici, et ce sera l'occasion de mettre des boutiques ici à l'intérieur. Concernant le pont, ben, il y a encore pas mal de travail. J'ai déjà mis ces poutres de soutien ici dessous et j'ai mis le squelette de ptérodactyle qui plane juste en dessus de extinction. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop comment terminer ce pont. Ici, ben, j'ai libéré l'accès pour le personnel afin qu'il puisse inspecter l'attraction. J'ai mis ces petits escaliers afin d'y accéder. Et une petite ouverture dans le bâtiment qui nous permet de voir passer les bûches depuis la file d'attente. C'est encore un petit peu vide ici. Il y a encore du boulot de décoration à faire. C'est un peu tout beau, tout propre. On va essayer d'habiller tout ça. Et ici, on a cette extension de bâtiment qui donne pas trop mal. Ok, on va laisser Argentavis de côté. Il est presque terminé. Il nous reste plus que les quelques effets de lave et de fumée à faire en haut de ce volcan. On fera ça sûrement dans le prochain épisode. J'ai fait quelques modifications sur la file d'attente d'extinction. J'ai rajouté quelques poutres, pas grand-chose. Et j'ai prolongé la façade ici qui longe la grotte montée. On va commencer la décoration du tracé d'extinction. Je vais faire ça en off. Je vais m'occuper de toute cette petite zone ici. Ça va être rapide pour vous, un peu moins pour moi. Le temps d'aller dans le bassin. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal d'avance, je suis content. On va faire le tour ensemble et on va en profiter pour faire les dernières petites corrections et finitions. On va commencer par la grotte montée. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis une barrière de l'autre côté, c'était plutôt logique. Et on a ces deux poutres qui ressortent et on va profiter pour mettre sur l'une de ces poutres une caméra de sécurité afin de vérifier si tous les passagers sont assis correctement. On va la mettre sur ce côté droit. On va peut-être un petit peu rabaisser les poteaux. On l'oriente dans la bonne direction et c'est bon. On continue la montée. Ici, il y a ce petit endroit qui manque un petit peu de décoration. Du coup, on va rajouter quelques cailloux et quelques arbres. Et de l'autre côté, il me semble que c'est pareil. C'est aussi un petit peu vide. Ouais, on va aussi rajouter un petit peu de décor. Il n'y a pas grand-chose d'autre à mettre que des rochers et des arbres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bien, ensuite on continue. En haut de cette montée, j'ai fait ce petit bâtiment qui pourrait abriter une petite salle des machines, pourquoi pas, quelques outils pour les réparateurs. Les bûches passent assez près du bâtiment, mais ça touche pas. Non, c'est bon. On va aussi peut-être la salir un petit peu et y rajouter quelques petites décorations. Et on va aussi mettre un petit panneau réservé au personnel sur la porte, même si je ne vois pas comment un visiteur arriverait jusqu'ici. On poursuit avec ce petit endroit où il y a également un petit bassin, car il y a des jets d'eau qui se déclenchent au passage des bûches. J'ai mis les jets d'eau et j'ai également mis des petits remous au moment où l'eau rentre en contact avec le bassin pour que ça fasse plus réaliste. Ici, on pourrait également rajouter quelques petits cailloux et buissons. Et donc, après être passé sous ces petits jets, notre bûche arrive dans la première descente.
Le côté gauche de la descente n'est pas super terminé non plus. On va aussi rajouter 2-3 arbres. Et ici, on retrouve, comme dans l'autre bassin de récupération, un système de pompe qui ramène l'eau en haut de la montée. On va aussi mettre quelques petits buissons ici pour cacher un petit peu ces tuyaux. Et dans ce bassin, on a deux animaux. On a ici un hippopotame qui lui aussi se déclenche au moment où les bûches passent, un petit peu avant, afin qu'on le voie bien. Et on a également ce dinosaure qui boit tranquillement. Après cette première descente, on arrive dans des grottes. Avec ici, vous allez voir cette petite torche qui s'allume après une projection de lave. J'aime pas mal, ça donne assez cool. Regardez, tac. Et c'est la lave qui met le feu à la torche. Et ensuite, on arrive vers le T-Rex caché derrière la fumée. Il n'est pas totalement caché, j'ai fait au mieux. Ça paraît assez logique de le mettre là. On est dans un endroit où il y a de la lave, de la fumée, donc ça colle plus ou moins. Ici, on va supprimer cette herbe, on va juste changer la texture. Parfait. Et on sort des grottes. Il y a peut-être un peu beaucoup de spots ici. On va peut-être essayer de cacher cette lampe un peu plus, comme ça. Et pour les deux autres, bon, je laisse comme ça pour l'instant. Et ensuite, on arrive dans ce petit bout droit avec une scène de dinosaures au fond. Et après, la petite scène qu'on a construite ensemble au dernier épisode. Il manquait encore l'endroit où on se fait prendre en photo. Je l'ai fait ici. Je ne l'ai pas fait dans une descente. Ça change un peu et je l'ai fait là surtout parce que on aura une belle photo, une belle vue. On voit les dinosaures derrière, on voit la montée. Je pense que c'est pas mal. Et pourquoi pas prendre la photo dans un endroit calme où tout le monde serait à son avantage. On termine par l'entrée dans cette grotte gardée par ce dinosaure. Donc de nouveau des rochers, j'ai fait l'éclairage également qu'on va voir tout à l'heure. Et dans cette grotte, il y a une petite surprise. Au moment où il passe, hop, un petit jet de feu qui peut surprendre. Et ensuite, ben, on arrive dans la grande montée. On va voir tout ça de nuit. Et on va faire aussi les dernières petites corrections de lumière qui s'imposent. On va mettre un petit peu plus de lumière ici et à l'entrée de la grotte. On va cacher ces projecteurs. Et on va encore éclairer un peu toutes les zones sombres de cet endroit. Donc ici, on pourrait en mettre un aussi également là, qu'on va cacher. Et un petit dernier sur cet arbre en haut. Et je crois qu'on est pas mal. On a fait pas mal d'avance, toute cette zone est décorée. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit ride pour voir comment ça donne à l'intérieur de l'attraction. Donc c'est parti, on commence par la montée. Un petit peu sombre peut-être, on pourrait rajouter, ouais, je pourrais rajouter un petit peu d'éclairage dans cette montée. Ça ne dérangerait pas. Et donc on arrive en haut de la montée. On a ce petit bâtiment sur notre gauche, on ne le voit pas trop. Peut-être l'éclairer. On passe sous les jets, magnifique. Et avant la première descente, on a une magnifique vue sur Argentavis. Et c'est parti. On arrive dans la grotte avec cette petite torche qui s'allume. Le T-Rex. Ce spot rouge, on pourrait peut-être un peu le déplacer, j'aime pas trop. Une vue sur notre dinosaure qui mange. Notre petite scène de dinosaure qui sort ici. Et attention, recoiffez-vous, souriez, c'est la photo. Cheese!
Tac, voilà. Et on entre dans la dernière grotte avant la grotte montée. Le petit jet de feu. Et on va s'arrêter là. On se fera un ride complet quand la zone sera complètement terminée. On va s'arrêter là. Si vous avez des idées ou des critiques, n'hésitez pas. On corrigera dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve comme d'hab dans quelques jours. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!